Matthieu 15, 38. 38. Ceux qui avaient mangé étaient 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Y eran los que habían comido hommes, sin contar las mujeres y los niños. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce pour la parole que tu vas nous donner ce soir. Seigneur, je ne suis pas digne de me présenter devant toi et comme un mot je puis dire je ne suis ni prophète ni fille de prophète, mais c'est l'Éternel qui m'a appelé, qui m'a prise, qui m'a dit va et parle à mon peuple. Seigneur, je te prie maintenant de briser dans nos cœurs tout esprit d'opposition, tout esprit de rébellion, tout esprit d'orgueil et de vanité et que la parole de Dieu court comme un fleuve puissant, qu'elle atteigne le fond de nos cœurs, qu'elle nous transforme, Seigneur. Oh mon Dieu, parle, Seigneur, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Je te prie de me donner l'onction sainte, Seigneur, afin que cette parole agisse comme toi tu en as le plan. Je te rends grâce en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à l'éternel. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Alléluia. Nous avons lu ce verset 26. Ce verset a été écrit par un, un homme qui s'appelait Matthieu. Quelle était la nationalité de Matthieu Matthéo, pardon. Juif. Il Amen. Et lorsqu'il relate cet événement, Y cuando, cuando y cuando él está relatando este evento amén uh, dice esta frase extraordinaria mangé 4000 los que habían comido eran 4000 hombres Et quand il dit homme, y cuando dice hombres, ne parle pas des êtres no está hablando de seres humanos il parle des de está hablando de los hombres del sexo masculino Amen. C'est comme s'il si disait ce qui avait mangé étaient 4000 mâles. Es como si hubiera dicho comieron euh, 4000 varones. Amen. Et ensuite, il rajoute comme entre parenthèses. Y después dice entre paréntesis. Sans, sans compter les femmes et les enfants. Sin contar à los a las mujeres y a los niños. Alléluia. <laughs> Et là, nous voyons euh, l'une des coutumes de la culture juive. De 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 C'était euh, quand on faisait un dénombrement. Que se hacía un, eh, un censo, Amen. On ne comptait pas les femmes ni les enfants. Non, se contaban ni a los niños ni a las mujeres ni a los niños. On ne comptait que les hommes murs. Se veía únicamente, se contaba únicamente a los hombres maduros. Lorsque vous lisez euh, le récit en entier, et quand usted lee todo el todo le texte il s'agit de ce qu'on to... appelle la multiplication des pains. Perdón. Se trata del, se trata de la multiplication de los panes y los peces. Toujours vous avez l'expression La foule, la foule. Y siempre tiene la expresión que dice la multitud, la multitud. Mire el versículo 32. El versículo 32. dice: Je suis ému de compasión por cette foule. Dice Jesús en el versículo 32: Tengo compasión. De la gente o de la Amen. multitud. La de Mathieu, Pero cuando llegamos a la conclusión de Mateo, ne parle pas de full. Mateo no está hablando de multitudes, Il ne parle que des hommes. está hablando únicamente de los hombres. Ah, nous voici. Dans le thème. así que aquí vemos entrado <laughs> estamos entrando en el tema il y a porque hay algunas personas pour eux, que para ellos lo importante ce sont les son los hombres les ne pas. las mujeres no cuentan ce pas la peine de les no 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 es no, val, no, eh, no vale la pena contarlas Nos nosotros sonreímos Mais, une pero sepa que es una realidad une dans de religions. es una religions. realidad en muchas religiones. temples Por ejemplo, hay religiones en los que dicen los templos están abiertos únicamente para los hombres. En France, pendant des siècles, on a refusé le droit de voter aux femmes. A las mujeres en Francia durante siglos no se les dio el derecho de votar. como si elle pas el droit de penser. Como no tuvieran el derecho de pensar si pas el droit de no tuvieran derecho de expresarse à dire, cette idée que les ne pas. es decir esa idea de que las mujeres no cuentan il y a chose qui fait mal dans mon pero hay algo que me hace que me, que me lastima mi corazón Et qui me fait pleurer devant Dieu. C'est de lorsque cette mentalité es cuando esa mentalidad existe au milieu du peuple de Dieu. Existe en medio del pueblo de Dios, au sein de l'église de Jésus-Christ. Que les femmes ne no comptent pas. No cuentan. Amen. Parfois, c'est au sein de. Certains foyers tal vez al, tal, otras veces es al seno de ciertos hogares cristianos que, les femmes no que pas. las mujeres no cuentan. Alors je me pose la Entonces yo me hago la pregunta. Que pour les femmes ¿Acaso para, para Jesús las mujeres contaban? Parce que on a dit souvent que la est Porque se dice muchas veces que la religión cristiana es machista. Ce que cru pendant de longues années. Y yo creí eso durante muchos años. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, je me suis rendu compte. Me di cuenta. Que je compte pour lui. Que yo para él. Alors ce soir, je voudrais adresser ce message. Entonces, yo, esta noche, yo este Premièrement à toutes les femmes. todas las Qu'elles soient croyantes ou non. Que Peut-être qu'elles sont méprisées. peut-être qu'elles sont eh, rejetées Peut-être qu'elles sont rejetées. Tal Peut-être qu'elles sont même violées. Tal vez sont hasta violadas. Mais je veux leur dire que Jésus les aime que Jésus les respecte si et que pour Jésus elles sont importantes Ellas son importantes et je veux m'adresser maintenant à tous les hommes, y ahora quisiera dirigirme à tous les hommes leur dire que les femmes sont des hommes comme les autres que les femmes sont sont hommes comme les autres c'est à dire que es les decir, femmes font partie de la race humaine les hacen sont de la race humana et que même les statistiques nous disent et que nous disent qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre et dans, pardon, dans l'église, paraît-il, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. que, hay más que Amen. Bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand les juifs priaient à l'époque de Jésus. Cuando los judíos oraban en la época de Jesús. Dans le temple ou les synagogues. Ya sea el templo o la sinagoga. Il y avait une prière qui disait ceci. Y de, había una oración que decía así. Éternel, je te remercie de ce que je ne suis pas une femme. Decían, Jehová, te de que yo no soy una mujer. Ceci montrait. Eso que ces hommes juifs dans leur culture. Que hombres judíos en su cultura, ils avaient un mépris pour la femme. Un por la mujer. Or, Jésus était juif. Ahora, mire, Jesús era judío. Alors, est-ce qu'il avait ce mépris? Vamos a verlo de quoi naît un préjugé comment se forme un préjugé comment se forme un préjugé le préjugé il a deux sources El tiene dos fuentes. il a premièrement le milieu éducatif dans la dans lequel la personne a vécu. Par exemple, un, un, un tout petit enfant. Por ejemplo, un pequeño niño. Vous, vous l'élevez en lui parlant de Dieu. Vous l'élevez en lui parlant de Dieu. Automatiquement, il va croire en Dieu. Automáticamente va creer en Un autre petit enfant dans une autre famille. Dos otro otro niño pequeño en otra familia. On l'élève en disant que Dieu n'existe pas. le lo, lo lo crían diciéndole que dios no existe. Naturellement, il ne croira pas en Dieu. Naturalmente no va creer en parce dios. Parce que sa pensée est formée par le milieu dans lequel il. Porque su vit. pensamiento oui. es formado por el el, el lugar donde creció. Plus tard, il va faire ses propres expériences. Más tarde hará sus propias experiencias. Il va peut-être abandonner cette position. Y tal vez vaya a abandonar esa posición. Et la deuxième source du préjugé. Y la segunda fuente de prejuicio. C'est le cœur de la personne. Es el corazón de la persona. Réfléchissons. Reflexionemos. Lorsque l'on a un préjugé sur quelqu'un. Cuando tenemos un prejuicio sobre alguien. Réfléchissons. Reflexionemos. C'est parce que nous avons une position d'orgueil face à, à cette personne. C'est parce que nous avons une position de orgueil con respect à cette personne. Amen. Par exemple, euh, peut-être nous disons, Ah, oh, mais celui-là il est bête. Tal vez digamos ah este que está aquí este es estúpido. Amen. On est en train de se dire, moi je suis plus intelligent que lui. Estamos diciendo en realidad yo soy más inteligente que él. Amen. Et cetera. Bien. Donc nous allons voir ensemble euh, 12 préjugés. Entonces, vamos a ver juntos 12 préjugés. Euh, qui, et nous allons voir comment Jésus Y vamos a ver cómo Jesús trató esos prejuicios. Entonces, vamos a tener muchos versículos. Voy a citarlos. Pero no, no, no está obligado a buscarlos. Los invito, lo invito a que los escriba. Y que en su casa usted los revise. Aleluya. Alors, le premier préjugé. le premier prejuicio. La femme est inférieure à l'homme. La mujer es inferior al hombre. Oh. Ça, c'est un préjugé que beaucoup d'êtres humains ont. Ese es un prejuicio que muchos seres humanos tienen. L Alleluia. le. Euh, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Si ¿Está de acuerdo? L'homme a été créé avant la femme. El hombre fue creado primero que la mujer. Êtes-vous d'accord? ¿Está de acuerdo? Oui. Bien. Amen. Alors, Amen. certains chrétiens prennent ces versets toman ese pour en, 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 en déduire que l'homme est supérieur à, à la femme. Puisque l'homme a été créé avant la femme. La, el fue antes que a été la mujer. Regardons dans 1 Corinthiens 11. En efecto, el hombre no été tiré de la mujer, pero la mujer ha sido del hombre. Versículo 8. dice: Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El hombre de la mujer, la femme a a de Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces podríamos decir fue el hombre creado primero. Donc à lui que plus élevé que la femme. Entonces eso le corresponde que sea levantado más que la mujer. Une autre Ahora le hago una pregunta. ¿En el la créación, Cuando el señor habla en, en el texto de la creación. Qui ¿Quién, ¿Quién fue creado primero, los animales o el hombre? Les los animales primero. Et est-ce que les animaux sont supérieurs à l'homme? Et es que los animales son superiores al hombre? Amen. Donc vous voyez que ce cet argument ne tient pas. Entonces veá que ese argumento no 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 vale. fun, no funciona. No vale. Alors maintenant nous pouvons regarder ce que dit ensuite l'apôtre Paul. Entonces veamos lo que dice enseguida el apóstol Pablo. Verset 12, verset, verset, 11, verset 11 pardon. Versículo 11. Toutefois dans le Seigneur. Pero en el Señor, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ni le est sans la mujer, ni la mujer le baron. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer Amén. pero todo procede de dios bien la entre la de la entonces hace bien la distinción entre lo que es la naturaleza con el momento de la creación y la pensée chrétienne? y el pensamiento cristiano ¿Y si on ne que la y si miramos únicamente la naturaleza de ¿Dónde, ¿Dónde, dónde viene la primera mujer de l'homme. De l'ombre. Amen. Ah, mais... Maintenant, depuis... Qu'ils ont eu un enfant, d'où vient l'homme? Mais ah, después de que tuvieron le premier hijo, ¿de viennent vienen hombres? Chacun de vous vous avez eu besoin d'une femme pour naître. Cada uno de ustedes estuvo neceado de mujer para nacer. ceci nous montre que l'homme a besoin de la femme et que la femme a besoin de l'homme. Eso nos muestra que el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Amen. Maintenant regardons ce que Jésus dit. Ahora miremos lo que Jesús dice. Matthieu et 5. Mateo 19 del 4 al 5. Quel est le préjugé que nous voyons? après juicio que estamos viendo La femme est inférieure à l'homme. La mujer es inferior al hombre. Bien, Matthieu 19 4 5. Matthieu 19 el 4 al 5. Euh, um, on vient à Jésus pour lui poser une question sur le divorce. Vienen a preguntar algo a Jesús sobre el divorcio. Jésus répond: N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme? Y Jesús responde: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Le créateur quand il a créé l'homme et ensuite la femme Il después a la mujer il a prononcé une parole Pronunció una palabra Que Jésus va reprononcer à nouveau Que Jesucristo va pronunciar una vez más Et qu'est-ce qu'il dit? Et qué qu dice? L'homme et la femme vont s'unir L'homme et la femme van a unirse Et ensemble, ils seront une seule chair Y juntos van a ser una sola carne est-ce que Jésus parle de supériorité? Jésus-Christ sí. est parlant de supériorité? Ni de la femme ni de l'homme. Ni de la femme ni de l'homme. Le plan de Dieu c'est qu'ils soient unis parfaitement. Le plan de Dieu c'est que soient unis parfaitement. Amen. Nous allons voir le deuxième préjugé. Maintenant, nous allons voir le deuxième préjugé.

Aujourd'hui, c'est pire encore. Hoy en día peor. On n'attend même pas que l'enfant naisse. Ni siquiera es, pues, que el niño nazca Et on le tue dans le sein maternel. Se le en el seno Ce sont des pratiques courantes. Son pratiques, eh, Par exemple, en Inde. Por ejemplo, en India. À tel point que les hommes no, ne peuvent plus se marier. Tal punto que los hombres ya no se casar. Parce qu'il n'y a plus assez de femmes. Hay Parce qu'on a tué les petites Porque filles. Porque se mataron a las pequeñas Parce parce que dans leur pensée, en su une petite fille est inférieure à un petit garçon. Una niña era inferior a un niño. Bien. Maintenant, nous allons regarder ce que Jésus nous dit. Ahora, lo que Jesús dice. Uh, pardon. Avant, nous allons considérer uh, Matthieu, encore une fois Matthieu. Primero, bueno, primero uh, dans la généalogie qu'il donne de Jésus-Christ. Amen. Normalement, un juif quand il établissait une généalogie, cuando un judío il ne nommait pas les femmes. non nombraba a las mujeres. Amen. Et la généalogie consistait à dire, et la généalogie consistait à decir, un tel fils de un tel fils de un tel fils de un tel fils de un tel. Y tal hijo de tal que es hijo de tal que es hijo de tal que es hijo de tal. Amen. Normalement, le Juif ne parlait pas des Normalement, les Juifs ne parlaient pas des femmes. No de Parce que ce qui était important, c'était le fils. que ce era importante eran important, hijos Et non la fille. Et non la hija. Amen. Vous l'avez devant vous dans euh, chapitre 1 pues, Amen. Jusqu'au verset 17. sept Donc, dans en le chapitre un, jusqu'au verset 17, il y a la généalogie de Jésus. Amen. Sauf avec l'exception de Ruth. Con la excepción de Ruth. Amen. Et ensuite, euh, on nous parlera aussi de Rab. Et también nos van a hablar de Rab. Amen. Mais normalement, on n'indique pas les noms des filles. Pero normalmente no se indica el nombre de las hijas. Parce que les filles sont moins importantes que les fils. Porque las hijas sont menos importantes que los hijos. Maintenant, nous allons voir Jésus. Pero ahora vamos a ver a Jesús. Oh, gloire à Dieu. Combien j'aime Jésus. Cuánto amo a Jesús. Alléluia. Luc chapitre 13 Lucas capítulo 13. Uh, amen. Uh, la Bible nous raconte que Jésus entre dans la synagogue un jour de sabbat. La Bible nous cuenta que Jésus entre la, la synagogue en un día de sábado, un jour de sabbat. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Y ahí estaba una mujer poseída de un espíritu. Y este espíritu hacía que estaba encorvada y que no pudiera enderezarse. Et Jesús la voit, il lui parle. Y cuando Jesús la ve, le habla. Regardez bien que Jésus parle aux femmes. Mire bien que Jésus le habla à las mujeres. Lorsque vous lisez les évangiles. Cuando usted lee el evangelio. Jamais vous ne voyez les disciples parler aux femmes. Usted nunca ve que los discípulos le hablen a las mujeres. Mais quand vous regardez Jésus. Pero cuando usted mira a Jesús. Vous voyez qu'il parle aux femmes. Vea bien que él le habla a las mujeres. Hallelujah. Et regardez, il lui parle, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui dit, mujer, eres libre de ton enfermedad verset 12. Plus tard, on va lui reprocher de faire cela le el jour du sabbat. Et Jésus va les reprendre. Et Jésus va, a va a reprendre les religieux. Et il leur dit, y les dice, vous êtes des hypocrites hypocrites Si un, un jour de sabbat votre âne tombe dans un puits. Si, si en el sábado su no cae en un pozo. Amen. Vous allez le ressortir? Van a sacarlo de ahí. Mais regardez cette femme. Pero mire esta mujer. C'est une fille d'Abraham. Una hija de Abraham. Et Satan la tenait liée depuis dix-huit ans. Y Satanás la tenía ligada desde hace dieciocho años. Cherchez-moi. Busque usted por Dans favor. La Biblia, en la Biblia una sola, fois, una sola vez, il est parlé une fille donde se habló de una hija de Abraham. Jamais. Jamás. Toujours on parle des fils d'Abraham. Siempre se hablan y se dicen de los hijos de Abraham. En Jean 8, on vient vers Jésus. En Juan 8, vienen hacia Jesús y le dicen. Et on lui dit nous sommes des fils d'Abraham. Et le, le disent nosotros somos hijos de Abraham. Amen. Pour eux, ils étaient orgueilleux d'être des fils d'Abraham. Ellos estaban orgullosos de ser hijos de Abraham. Jésus regardait cette femme. Y Jesús mira esta mujer. Et il disait elle est une fille d'Abraham. Y il dice ella es hija de Abraham. Amen. Voyez que Jésus n'avait pas ce préjugé. Vea comment Jesús no tiene ese prejuicio. Pour lui, un fils d'Abraham. Para él, un hijo de Abraham. Était aussi important qu'une fille d'Abraham. Era tan importante como una hija de Abraham. Et une fille d'Abraham. Y una hija de Abraham. Était aussi importante qu'un fils d'Abraham. Era tan importante como un hijo de Abraham. Amen. Troisième préjugé. Tercer prejuicio. Les femmes sont faites pour uniquement pour le plaisir des hommes. Las mujeres fueron hechas únicamente para el placer de los hombres. Et quand je dis plaisir, je parle de relations charnelles. Y cuando hablamos del placer, estoy hablando de, plaisir, de relation sexuelle. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus pensait de cela ¿Qué Jesús pensaba de ello? Qu'est-ce que Jésus pensait Nous allons voir en Jean chapitre 4. Juan 4. Alors, il faudrait lire toute l'histoire. Jusqu'au verset 38. Hasta 38. De quoi nous parle Jean chapitre 4? De, Juan, 4? de la fameuse femme samaritaine. Famosa mujer samaritana. Alors, regardons euh, simplement le verset 27. versículo 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonné de ce qu'il parlait avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle 27. en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas O que con ella. Hallelujah. Regardez comment Jésus brise les préjugés. Mais comment Jésus-Christ rompe el prejuicio? Jamais les disciples ne parlaient avec des femmes. Los, los, los discípulos nunca hablaban con mujeres. Et là, ils vont faire des courses. Y ahí se van a comprar algo. Ils reviennent. Y regresa. Et qu'est-ce qu'il qu qu voient? Que oh scandale. Il un scandale. Jésus qui parle à une femme. Jesucristo que le habla a una mujer. Mais lorsque vous entrez dans ce récit. Y cuando entra usted a este à ce texte, je m'émerveille me de ce que Jésus est en train de faire. De lo que está qui est cette femme? C'est une femme qui a vécu d'échecs sentimentaux en échecs sentimentaux. C'est une femme qui a vécu une situation sentimentale de derrota en une en autre. Elle a eu cinq maris, cinco esposos. Et ce jour-là, elle arrive comme tous les jours au puits de Sicha. Et comme tous les jours, elle arrive travers au pozo de Sicha. Il est midi. Es el mediodía comment se fait-il que cette femme a de l'eau lorsque le soleil est au plus fort ¿Y cómo, por, por esta mujer va a buscar agua cuando el momento del calor es lo más fuerte alors que les femmes du village y vont l'aube à l'heure où la, la température siendo que las mujeres de la aldea van cuando el día es lo más fresco al amanecer c'est tout simple es sencillo. que cette femme la village. Es porque esta mujer era las me reír del 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 pueblo. Amén. Ah, él, avec su colección de maris. Ah, mira iba ella ella con su colección de esposos. Sans la l'avait connu. Cinco hombres la conocieron. Físicamente. Físicamente. Mais n'avait pas réussi Pero ninguno logró amarla. Amén y ese día llega al, al pozo de, de Sicar y llega ahí y ve que hay un hombre sentado ahí con, los, con, con la ropa que Jesús llevaba se da cuenta que es un judío y los judíos no le hablan a los samaritanos sabes, là, otro prejuicio, ¿Otro prejuicio Amen. El, el desprecio de los extranjeros Amen. Alors, elle ne sait pas si elle doit repartir ou continuer. Donc, elle ne si tiene que irse ou quedarse. Et finalement, elle se dit de toute façon, c'est un juif, il ne me parlera pas. Et se dit peut-être, bueno, de todas maneras c'est judío il me va pas parler. Mais elle se surprend. Et donc, se surprend. Parce que cet homme juif la regarde. Este judío la mira. Et il lui dit donne-moi à boire. Et lui dit dame, donne-moi boire. Et à partir de ce Et moment. Et à partir de là. Jésus va entamer une une conversation avec elle. Jesucristo va llevar a cabo una conversación con ella. Qui va briser les préjugés de cette femme. Qui va romper los prejuicios de esta mujer. Le regard que Jésus porte sur cette femme. Y la mirada que Jesús lleva sobre esta mujer. C'est un regard pur. Es una mirada pura. Un regard pur. Una mirada pura. Que jamais aucun homme n'a porté sur elle. Que ningún ningún hombre había puesto sobre ella. Et peu à peu et poco à poco, Jésus va la conduire. Jesucristo va llevarla, conducirla à ce qui fait réellement euh, l'intensité de son cœur. A que verdaderamente eh, eh, es intenso en su corazón. Cette soif d'amour qu'elle a. Esta sed de amor. Et qu'elle n'a jamais trouvé dans les hommes. Y que nunca encontró en los hombres. Qui, qui ne voulait posséder que son corps. Que, que solamente querían tenir la, tener su cuerpo. Elle avait une soif d'amour en elle. Tenía una sed de amor. Et là Jésus lui parle de l'eau vive. Et le elle se rend compte y ahí de... se da cuenta a ella. que c'est de Dieu qu'elle parle. Que Jésus lui parle. Alors elle commence à ouvrir son cœur. Et elle dit Mais pourquoi vous, les Juifs, vous adorez Dieu à Jérusalem Et nous, nous allons sur la montagne. Et montagne. Amen. Et Jésus répond, a ces le répond a sus preguntas à ses questions spirituelles. C'est-à-dire que quand Jésus voit cette femme, quand Jesús ve esta mujer, Il ne voit pas un objet sexuel. No il voit une âme, mais une âme qui a soif de que dieu, qui a soif de dieu. tant d'hommes oublient cela. Eso. tant d'hommes oublient cela. tant d'hommes méprisent la femme. tant d'hommes oublient la femme. alors mujer. que la femme a soif de dieu, mais que la femme a soif de dieu. Amen. amen. hallelujah. cinquième préjugé. Si euh, oui, euh, pardon, on est trois, euh, pardon, quatrième préjugé. Quarto préjugé. Il y en a qui suivent, gloire à Dieu. Les femmes ne sont faites que pour faire des enfants. Las mujeres ne que Amen. Ça, c'est encore un préjugé. Peut-être vous dites non. vous dites non. Oh, frères et sœurs, combien et combien et combien.

Qu'est-ce que Jésus dit de cela Jean 16, 16. verset 21. 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance, à cause de la joie de ce qu'elle a, de ce qu'un homme est né dans le monde. La mujer, quand da luz, tiene dolor, parce qu'il llegado su son hora, mais après qu'elle a dado à luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, pour le gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jésus est en train de reconnaître que pour enfanter, que pour dar à luz, une femme souffre. pour enfanter, une femme souffre. souffre. Et combien de femmes meurent en, en, en enfantant, dando à luz. Amen. Lorsqu'une femme enfante la vie, c'est un sacrifice qu'elle fait. C'est un sacrifice qu'elle fait. Certaines euh, femmes ont dit disent que si les hommes devaient enfanter, que si les n'auraient qu'un seul enfant. <laughs> <solamente un> <laughs> La femme souffre la, pour enfanter. La mujer sufre para dar a luz. Jésus le reconnaît. Jesucristo lo reconoce. Jésus aime la femme. Jesucristo ama a la mujer. Jésus honore la femme. Et Jesucristo honra a la mujer. Jésus reconnaît la femme. Et Jesucristo reconoce a la mujer. Et il reconnaît qu'elle a des sentiments. Y reconoce que tiene sentimientos. Que ce n'est pas une machine à enfanter. Que no es una máquina para tener hijos. Que ce n'est pas une machine à plaisir. Que no es una máquina de placer c'est un être humain qu'est un ser humano. qu'il faut respecter qu'il qu'il respecter qu'il faut honorer qu'il y a qu'à la femme souffre la pour enfanter la mujer sufre para para dar à luz amen oui. hallelujah gloire à dieu gloria a dios 5 préjugé quinto prejuicio les femmes sont faites pour faire le ménage à la maison las mujeres fueron hechas para hacer la limpieza en la casa il y a des hommes qui disent non, des hommes qui sourient, des femmes qui qui disent non. Alléluia. Bien, Jésus lui-même a raconté une parabole. jésus Cristo mismo decía una palabra, una parábola. Dans Luc chapitre 15. En Lucas 15. Où il, il raconte que une femme avait perdu une pièce de monnaie. Donde cuenta que una mujer perdió un dracma, una pieza de moneda. Dans la maison. En la casa. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour retrouver sa pièce? ¿Y qué hizo para encontrar esa pieza? Elle a fait le ménage. Eso la limpieza. bon, mais Jésus lui aussi dit que les femmes elles sont bonnes pour faire le ménage. Regardez bien ce que dit l'apôtre Paul. bien que dice el apóstol Pablo. 1 Timothée 2:5. Euh pardon, 1 Timothée 2:5. 1 2 5 que les, les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Il dit que les anciennes doivent enseigner à les mujeres jóvenes à aimer leurs maris et leurs hijos, à être prudentes, castas, cuidadosas de leur casa. Amen. Le thème suivant, c'est autre chose. Amen. Occupées okay. aux soins domestiques. Eh, eh, que cuidadosas de su casa. y vous dites ben Jésus il en parle et Paul aussi il en parle. Y entonces usted dice bueno Pablo Jesucristo lo dice luego Pablo también lo habla. Mais que dit Pero ¿qué está diciendo Pablo? Es que dice que no deben estar ocupé que en soain Está diciendo que las mujeres deben hacer únicamente eso? Ah. Et tous ces hommes qui refusent à la femme le droit de travailler à l'extérieur. Et tous ces hommes qui rechassent que la femme travaille à l'extérieur. Comme si c'était un péché. Comme si fuera un pecado. Amen. Non, frères et sœurs. Tous ces hommes qui empêchent leur femme de sortir de la maison. Tous ces Amen. Vous savez, il y a des de religions où on interdit à la femme de sortir de la maison. Il y oui. a des religions où on interdit à la femme de sortir de la maison. Amen. Est-ce que Jésus disait cela? Jésus-Christ disait ça. Allez, on va voir ce que Jésus nous dit sur ce. Voyons de ce que Jésus-Christ dit sous ce thème. On tema. va rencontrer Jésus dans une maison. On va rencontrer Jésus dans une maison. Luc chapitre 10. En Lucas 10. La Bible nous dit qu'il y avait une maison où Jésus aimait beaucoup aller. La Bible nous dit que il y avait une maison dans laquelle Jésus aimait passer beaucoup de temps. Cette tiempo. maison se trouvait à Bethanie. Et cette maison se trouvait à Bethanie. Uh, un jour que jésus passait dans les rues de béthanie il rencontre une femme nommée marthe qui lui dit viens à la maison et qui dit à la casa. je vais te faire un couscous comme tu en as jamais mangé Amen. et marthe invite jésus à la maison <coughs> À la maison il y a aussi Marie. Pero también en la casa está Maria, Qui est la sœur de de, Marthe. Que es la hermana de Marta. À la maison il y a aussi Lazare. Y también está Lázaro, qui est le frère de Marthe que, et Marie? Que es el hermano de Marta y Maria. Alors que se passe-t-il? il Marthe se trouve dans la cuisine en train de préparer son couscous. Marte está en la cocina preparando su couscous. Elle épluche les oignons, les carottes et les poireaux. Y a, eh, Pela las, 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 las papas la, 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 la zanahoria zanahorias y demás y de, de vez en cuando mira hacia el salón <coughs> y, y hace así <coughs> <coughs> y se limpia la garganta <coughs> qué, es que qué pasa en el salón Jesús está sentado Lázaro está sentado Et se trouve Marie. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie, qué hace Marie ahí? Elle est assise aux pieds de Jésus. Alors, il y a un moment où Marte n'en peut plus. Donc, elle quitte la cuisine. Se, de, sale de la cocina. <laughs> J'aime cette femme. Me, 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 Je lui ressemble beaucoup. Et, et elle va vers Jésus. Va et elle gronde Jésus. Y, y regaña Seigneur, ne te fait-il rien que Marie me laisse seule pour préparer le repas Y dice no no señor ¿no, no te parece inadecuado que mi hermana María me deje sola haciendo la comida no puedes decirle algo hacer algo dile algo al menos amén y qué responde Jesús aleluya Marta Marta le dice Marta Marta tú te inquietas y tú te por muchas de cosas estás cansada y trabajada por muchas cosas Marie a choisi la meilleure part. Escogió lo mejor qui ne lui sera jamais enlevé. Y no se le, y no le sera quitado. Vous savez, frères et sœurs. Sais, hermano, hermana, pour la, 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 la mentalité juive. Para la mentalité S'asseoir aux pieds d'un enseignant signifiait qu'on voulait devenir son disciple. Decir que uno quería su discípulo. Par exemple, il est dit que que Paul a reçu l'instruction aux pieds de Gamaliel. Por ejemplo, se dice que Pablo eh, fue, a los pies de Gamaliel. Donc quand Marie, Marie s'assoit aux pieds de Jésus, se a los pies de Jesús, Elle est en train de dire, je veux être ton disciple. Disait, que Yo ser tu Gardez ça dans votre cœur jusqu'à la fin du message. Ahora, eso en su hasta el final del message. Maintenant, nous allons voir le sixième préjugé. Ahora, vamos a ver el sexto le sixième préjugé, c'est l'homme pense et la femme dépense. La, el sexto es el y la mujer gasta. Ah, y a des frères qui disent « "Amen". Hein? Qu'est-ce <laughs> Qu que Jésus en pensait? Amen. Luc chapitre 8 verset 1 au 3. Lucas 8 del 1 al 3. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aconteció después que Jésus iba por todas las ciudades et aldeas predicando et annonciando le Evangelio del reino de Dios et los doce con él. Ah, vous avez été plus vite que moi. Ça ne s'arrête pas pareil. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. C'est ah, le versículo 12 en espagnol. Et algunas ah, mujeres qui avaient été sanadas de espíritus malos et de enfermedades. Marie, qui se llamaba Magdalena, de la laquelle habían salido siete demonios. Donc nous voyons que. Uh, Jésus est en train de faire un voyage missionnaire. Il va de ville en ville, de village en village. Mais il n'est pas seul. Pero no está solo. Amen. Qui se trouve avec Jésus? Alléluia. Ses douze apôtres. Sus doce discípulos, apóstoles, no, apóstoles, Ces douze apôtres. douze apôtres. Alléluia. Et des femmes qui sont là. Et algunas femmes qui sont là. Et que font ces femmes qué hacen esas Quel est leur rôle es Qu'est-ce qu'elles que font dans le groupe des disciples En tant que femme, pour moi, c'est facile. Comme femme, pour moi, c'est facile. Oh, combien j'aurais voulu faire partie me mucho, me mucho ser parte de, de grupo. Nous avons vu que Marthe était excellente à faire du couscous. Hemos visto que Marte era muy buena el couscous. Eh bien, Marie-Madeleine, elle faisait très bien les pizzas. Y, Maria Magdalena oh. muy bien la pizza. Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi dis Parce que dans un voyage missionnaire, en un viaje missionnaire quand il y a un groupe de personnes qui se déplacent, hay un de que se déplacent cela se demande desplacent. de l'or... Pide Il faut préparer les repas. Hay que a comer. Il faut préparer les vêtements. Hay que la ropa. Mais pas seulement ça. No, no Regardez esto. ce que dit le verset suivant. Lo que dice el verso le verset 2 nous nomme quelques femmes. El verso nos, nos, et ensuite, cela continue. Y luego Jeanne, femme de Chusa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient. de bien. Dice Juana, mujer de Yusa, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Así, les mujeres, yo m'imagine fort bien servaient le seigneur. Entonces imagino que las mujeres servían al señor, Dans En el dominio material, en el dominio Me Pero no solamente. ¿Qué es que faisaient aussi? ¿Qué también qué hacían también. El assiste le seigneur. avec leurs biens. Seigneur avec al seigneur Avec leur argent. Con dinero. Parce que l'œuvre de Dieu aussi a besoin d'argent. vous voyez des femmes qui avaient compris cela. Y eso. Et elles donnaient au Seigneur l'argent. Pour acheter les choses nécessaires à l'œuvre de Dieu. Las cosas nécessaires à de Dios. Amen. Ces femmes avaient compris cela. mujeres habían entendido eso. Y entre ellas se encontraba Juana, mujer de Susa, intendente de Orode de Podría decirse que era la mujer de un ministro del gobierno. Podríamos imaginar que ella era rica. y En lugar de guardarse la riqueza para Elle ella. service de de Lo ponía al servicio de la obra de Dios. Si tu as une femme Et tienes una mujer qui dépense l'argent. Que se gasta el dinero. Dans des vanités. En vanidades. prie Pour elle. ora por ella. Amen. Et parle avec elle. Y habla con ella. Mais si ton épouse. Pero si tu esposa. Dépense l'argent. Desgasta el dinero dans l'œuvre de Dieu. Réjouis-toi. Car elle ne dépense pas l'argent. No el elle l'investit pour le royaume des cieux. Reino de los Amen. Alléluia. Les femmes sont impures. Les femmes impures. Oui, septième préjugé. On aurait peut-être dû le mettre avant. Les mujeres sont impuras. Amen. Alléluia. Et pour cela, elles ne sont pas dignes de toucher les choses de Dieu. Et pour ello, elles ne sont pas dignes de tocar à las choses de Dieu. Amen. Ceci prévaut dans beaucoup d'églises. Eso, por ejemplo, esto prevalece en muchas iglesias. Les femmes sont impures. Las mujeres son impuras. Elles ne sont pas dignes de monter sur l'autel. No son dignas de subirse al altar. Elles ne sont pas dignes de diriger des cantiques. No son dignas de dirigir cánticos. Elles ne sont pas dignes de prêcher. No son dignas de predicar. Elles sont impures. Son impuras. Bien. Nous allons voir quelques euh, quelques exemples. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Luc chapitre 7, Lucas 7 verset euh, 30, 39 au 50. El versículo 39 al 50. De quoi euh, nous parle ce passage? Jésus ese, ese euh, se trouvait dans la maison d'un pharisien. Amen. Et lorsqu'il est en train de manger, comiendo, tout à coup, une femme pécheresse entre. Mujer entra. Elle apporte un vase euh, de grand prix. Un vaso de grand preço, Rempli de parfum. Lleno de elle se tient derrière Jésus. De à ses pieds. A sus pies, et, et elle commence à pleurer sur les pieds de Jésus. Et à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Y mojar los pies de con sus elle répand le parfum sur les pieds de Jésus. sobre los pies, de Jesús, los pies de Jesús y moja los pies de Jesús y, les avec ses y se los seca con sus cabellos y, là, y ese fariseo mar. mira esa, esa, eso que pasa y dice dans son être interior, en su pensamiento si, cet homme était profète, si este hombre fuera profeta sabría Qui de quelle espèce est la femme qui le touche? Qui y et de quelle calaña est la mujer que lo está tocando? que Sabría él sabría que es una pecadora. Car un juif ne se laissait pas toucher par une prostituta Porque un judío no se dejaba tocar por una prostituta. Pero Jesús se laissait toucher. Se dejaba tocar par une Por una mujer. Qui brisait son cœur sur ses pieds. Alors Jésus euh, savait ce qui se passait dans le cœur de ce religieux. Et il va lui donner une parabole. Amen. Et puis, en conclusion de cette parabole, y en la de la parabola, le dice, il lui dit Je suis entré dans ta maison. Le dice, Mira, a tu casa, Et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. No me diste agua para mis pies. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. Pero elle con sus Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. No me diste beso. Mais elle, depuis que je suis entré elle, elle n'a point cessé d'embrasser me, mais elle, depuis que t'en a cessé de baiser mes pieds, tu n'as point versé d'huile sur ma tête. No mi con mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. me, est a ungido con parfum mes pieds? ces hommes religieux, ces hommes religieux qui disent que les femmes ne sont pas dignes de toucher que, les choses, que les femmes ne no sont dignes de tocar las cosas de dios parfois eux-mêmes, ils ne sont pas capables no d'honorer Dieu, Dieu en esprit et en vérité et de tout leur cœur. Amen. Il y a un autre exemple. Hay autre exemple. Dans Matthieu 9, Matthieu 9. C'est l'histoire de la femme atteinte de perte de sang. Y la mujer que está eh, eh, enferma de una pérdida de sang. Dans la loi judaïque, En la ley judía. Eh, quelqu'un avait une perte d'un liquide. Cuando una alguien tenía la, una pérdida de un líquido. il elle était considérée comme impur. Y considerado impuro. Et la femme quand elle avait euh, ses règles. Y la mujer cuando tenía su regla. Elle était considérée comme impure. Y la considerada impura. Alors, cette femme, euh, malheureusement, elle avait un problème dans son utérus. desgraciadamente, tenía un Qui faisait qu'elle avait une perte de sang depuis plusieurs années. Que que una de desde hace años. Donc, elle était impure. Et à ce titre-là. y bajo ese título nadie debía tocarla si alguien la tocaba era considerado impuro y ella no podía tocar a alguien ¿qué pasaba entonces? Elle entend que Jésus est là. Elle que est là. Cette femme n'a plus d'espérance. Elle, elle a perdu tous ses biens en allant voir les médecins et les guérisseurs. Elle toda toute espérance yendo a voir médicos et sanadores. Elle, ouais, alléluia. Elle n'a plus d'espérance. La vie s'en va de son corps. La vida se le está yendo del cuerpo. Elle souffre d'anémie. Elle n'a plus de force. C'est no la mort qui s'instaure en son corps. La que se está instalando en su cuerpo. Amen. Elle entend parler de Jésus. Alors la foi vient dans son cœur. Et elle dit si sí, seulement. Y dice, je pouvais toucher le bord de son manteau et lorsqu'elle elle apprend que Jésus arrive y dans con, sa ville y que Jesús está en su aldea, elle réunit ses dernières forces elle sort de chez sale elle de su casa, elle entre dans la rue la calle. mais là se trouve la foule Pero hay una qui l'empêche de s'approcher de Jésus mais sa foi obtient la victoire. Foi victoire et en se faufilant parmi la foule y la gente. Alors qu'elle n'a pas le droit de toucher quiconque, que no tiene a tocar a nadie. elle arrive jusqu'à Jésus avec sa foi, fé, avec toute son espérance, et là elle touche le bord du manteau. Et Jésus sait ce qui se passe. Et Jésus sait ce qui se passe. Amen. Il le sait. Sabe lo que et pasa. la force de Dieu sort de Jésus et, et la force de Dieu sale de, él, de rentre Jesús. Dans cette femme et elle est guérie. Et sanada. Y después le dice, después el Señor Jesús le dice, "Mujer, tu fe te sanó". Tu fe te ha salvado. Amén. Voilà ce que Jésus a fait avec cette femme impure. Mira lo que hizo Jesús con esta mujer impura. Si seulement tous ces hommes qui disent que la femme est indigne. Si solamente todos les hombres que dicen que esta mujer es indigna. Que les femmes sont indignes. Que las mujeres son indignas. De toucher aux choses de Dieu. De tocar a las cosas de si Dios. Si seulement ces hommes avaient au moins la moitié de la foi de cette femme. Si solamente esos hombres tuvieran la mitad de la fe de esta mujer. Ne no savez-vous pas que dans le livre d'Apocalypse chapitre de 5, 5 il nous est dit que Jean euh, assiste, à une, que Juan assiste de la, à une scène. Il y a une voix, une voix qui crie dans le ciel et qui dit mais qui est digne de prendre le livre Y dice quién es digno de tomar el libro. Alors les anges parcourent la terre. Son los, hombres, los ángeles recorren ils la vont tierra. De lieu en lieu. Van en por todo lugar. Et ils reviennent vers le y regresan de Dieu. al trono de Dios. Et, et il dit, sur la terre il n'y a Personne qui soit digne dicen, de toucher le livre. Alors, Jean pleure. Juan llora Il pleure. Llora de ce que personne n'ait trouvé digne. que nadie se encontrado Frères digno. Frères et sœurs, hermanos, ni l'homme ni la femme, ni el hombre, ni la mujer, ne sont dignes de servir le Seigneur. No ni Señor. toi, ni moi, Ni usted ni moi. Mais si nous sommes appelés à servir le Seigneur. Pero Señor, si somos llamados a servir al Señor. Uniquement par la miséricorde de Dieu. Pourquoi enlever cette miséricorde aux femmes? Pourquoi dire qu'une femme est indigne de servir le Seigneur? Ni l'homme ni la femme n'en sont dignes. Ni el hombre ni la mujer son dignos. Amen. Oh, je voudrais continuer jusqu'à minuit yo, sur ce thème. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dios tenga piedad de usted. Alléluia. Huitième préjugé. Octavo. Combien il y en a Douze. Ah, au moins douze. Al ah, mais... Allez, huitième préjugé. Les femmes sont pénibles. Les Pénible. C'est que je pas comment dire compliquée. Pénible. Dégagez-moi la parole. Regardez bien Matthieu 15. Ça existe pas pénible Penible, de Ils sont Donc, formidables les Hispaniques. Ils n'ont pas inventé ce mot pour les femmes. Ça doit être que les Français qui pensent ça. Hein? Ah, les même... pensent Et, okay. les Et les Juifs. Regardez, les... Regardez les... bien. Vous allez le voir. Matthieu chapitre 15. 15. Versets euh, 22 au 28 on va prendre uh, Matthieu 15 du 21 au 28, 15, del 21 al 28. que se passe-t-il Jésus passe à travers Tyr et Sidon avec ses disciples en, con sus discípulos. et voici une femme qui arrive et qui crie et pitié de moi Seigneur fils de David, Señor, hijo de David ten misericordia de mí. ma fille est cruellement Tourmentée par le démon. Alors les disciples s'approchent de Jésus. Et ils lui disent avec instance Seigneur Jésus, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle est pénible, cette femme. Esta mujer. Amen. Elle nous suit depuis tout ce temps. Ya nos desde hace un buen rato. Et elle crie. Y grite y grite. Elle est pénible. Ah, qué, 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 qué esta mujer. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Finalement. Verset 28, 28. Il parle à la femme. Voyez que Jésus parle aux femmes. Il lui dit femme, ta foi. Et dice, oh, femme, grande est tu. Fe. Que te soit fait comme tu veux. Hágase contigo como quieres. Et alors même, sa fille fut guérie. Tous ceux qui disent que sont pénibles les femmes. Que dicen que las son Parce qu'elles prient trop. jeûnent trop. Mucho. Elles vont trop à l'église. Elles sont pénibles. Son que Dieu vous donne que Dieu, que les dé la moitié au moins de la foi de ces femmes. La mitad, al menos, de esas mujeres. Et vous verrez de grandes, choses. Ils grandes Amen. choses. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Dans, Dans Matthieu 19, regardez bien que les disciples vont. Euh, pardon, les pharisiens vont... Uh, Voyez bien que les pharisiens vont a externer, ce préjugé. C'est quoi ce préjugé dont nous parlons? Quel est le préjugé que nous disons? No, les femmes sont pénibles. Les femmes sont Alors les pharisiens viennent à Jésus et disent: Est-ce qu'on peut répudier une femme pour un motif quelconque? Ils lui demandent: Seigneur, est-ce que nous pouvons donner carte de divorce pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque. Pour un motif. Parce que ma femme, elle chante faux. ¿Por Porque mi esposa canta, canta feo. Et l'autre dit, et moi, ma femme, elle met trop de sel dans la soupe. la Ce serait bien qu'on puisse divorcer comme on veut. Estaría, sería bueno que pudiéramos divorciar como quisiéramos. Quelle est la réponse de Jésus? Verset Versículo 8. C'est Versículo 8. à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a. Permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Él les dijo, por la dureza de, de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Porque en el 6 dice, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. está en train de El Señor entonces Jesús le está diciendo, ustedes piensan que las mujeres son molestas. Es que porque tienen el corazón duro. Amén. Vous savez, le cœur dur. Qui duro. Regardons le, le, le neuvième préjugé. Y ahora vamos a ver el, el Vous tenez le coup, frères et sœurs Allez, on va essayer de terminer. <laughs> Les femmes, ça parle trop. Las mujeres hablan mucho. Amen. Les femmes parlent trop. Mucho. Ah, je vois bien les messieurs sourire. Hein? <laughs> je vois que les hommes rient. Alléluia. Bien, on va voir ce que Jésus en pense. Vamos a ver lo que, que Matthieu 28, 28, 7. Alors, Jésus a, est mort. Jésus est mort. Il a été mis dans la tombe. Lo en la tomba. Et le troisième jour, les femmes arrivent au tombeau. Et là, elles rencontrent un ange. Là, un ange. Amen. Qui les accueille et qui leur dit, verset 7, et les dit en el 7 allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et et pronto y décide à sus discípulos que a resucitado de los muertos. Vous avez exactement uh, la même chose qui est donnée dans l'évangile de Marc. C'est ah, le mismo que está diciendo en el evangelio de Marc. Lorsqu'au oh, oh, chapitre 16. Con el 16. Ce sont les anges qui disent aux femmes allez et dites qu'il est ressuscité. Cuando los Amen. D'où viennent les anges ¿De dónde los Du ciel. Cielo. Et qu'est-ce qu'ils disent à ces disent femmes D'aller et de parler aux de, hommes. Vous êtes d'accord Amen. Dans le psaume 68, verset 12, en, il dit quelque en, en chose. Salmo 68, versículo 12. Psaume 68, verset 12. Salmo, cien, Salmo 68. <coughs> le Seigneur dit une parole. El Señor dice una, una palabra. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Relisez. Je surveille le traducteur. 12. Le Seigneur dit une parole. Ah, le Seigneur dava palabra. Lisez la suite. Il y avait une grande multitude de 68, 12. Peut-être c'est le 13 en espagnol ou le 11. Dice el 11, pero dice había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. No, buenas. no, no, no. ¿Sí? Léalo, entero. El Señor daba palabra, había sí. grande multitud de las que llevaban ah, buenas nuevas. Ah, voilà, es la construcción diferente. lo bien, maintenant. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Grande multitud de quién De las, las ou de los De las. De las. De las. Féminino. En français, il dit des messagères. Parce que quand j'ai donné, lui, il a traduit et los. Okay. Mais ce n'est pas los, c'est no. las. Okay. Qu'est-ce que je suis en train de dire que, está, que, que déjà dans le psaume 68, Salmo 68 David était en, en train de prophétiser qu'il y aurait des femmes que, qui allaient parler de la part de Dieu. Amen. Des femmes qui allaient parler de la part de Dieu. Et Joël lui-même avait prophétisé que l'Esprit de Dieu viendrait sur les serviteurs et les... Servantes, el espíritu de Dios vendiera sobre los siervos y las siervas. Amén. Dieu a donné à la femme le don de la parole. Dios le dio a la mujer el don de la palabra. aussi bien à l'homme? Et comme à l'homme? Et comme il envoie des hommes prêcher. Y comme envía hombres a predicar. Il envoie aussi des femmes prêcher. También envía mujeres a predicar. Amén. Alléluia. Dixième préjugé décimo prejuicio, décimo prejuicio. Les femmes, ça trop. Las mujeres lloran mucho Aleluya Jean chapitre 11 Juan capítulo 11 Quelle est l'histoire que nous relate Jean chapitre de 11, 11? C'est l'histoire de Lazare qui est mort. Es la de que murió. Qui est Lazare? Est le frère de Marthe et Marie. El de euh, Lazare est dans le tombeau. la tombe. Depuis quatre jours. Jésus arrive devant le tombeau. Jesu de et quand il arrive devant le tombeau, qu'est-ce qu'il voit? llega qu qu la des femmes qui pleurent. Ça vous étonne Le, le parece no. raro Marthe et Marie ont perdu leur frère, alors elles pleurent. Marthe et Marie Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Verset 35. En 35 dice, Et 35 Et Jésus se moque d'elle. Il dit Jésus se d'elle. De C'est ça Non Qu'est-ce qui est écrit au verset il 35? 35 Et, Et Jésus

la première fois que j'ai vu un homme pleurer, c'était dans l'église du mouvement missionnaire mondial, mondial. Et cet homme, c'était mon pasteur. Jésus ne méprise pas quelqu'un parce qu'il pleure. No, no desprecia a porque que ce soit un homme ya ou sea, que ce soit ya une femme. Sea un hombre ou una mujer. Amen. Alléluia. Onzième préjugé. On, on Je vais aller vite, frères et sœurs, voy par e, pitié, pitié. J'avais plein de versets, mais bon. <laughs> pero bueno. Onzième préjugé. Les femmes ne savent pas prêcher et ne doivent pas prêcher. Las no saben y no deben Amen. Voilà le onzième préjugé que beaucoup d'Églises ont. Mirel, onzième on, on préjugé que muchas iglesias tienen. La première femme dans le Nouveau Testament qui prêche. La première mujer en el, en, en el Nuevo en Amen. Qui enseigne, parce qu'il qu est dit aussi que les femmes ne doivent pas enseigner. Se dice que, no deben y que Je enseigne. vais prendre un Timothée 2, 11 et 12, mais on ne va pas avoir le temps. Dans 11. le Nouveau Testament, en et, rapport avec Jésus. Con a Jesus, ¿quién fue la mujer C'est Marie. Es la, la future maman de Jésus. La futura madre. De Jésus. Quand elle arrive chez Elisabeth, elle, elle, elle dit un cantique. Ella dice un cántico, et dans la parole de Dieu, les cantiques ont valeur d'enseignement. De tienen, tienen de Vous trouvez ça en Deutéronome 31, 19. Deutéronome 31, 19. Deutéronome 31, 19 la seconde femme qui va prêcher en rapport avec Jésus c'est Anne dans le temple la mujer que sobre Jesús es en el temple. amen Luc 2 verset 36 au 38 en Lucas 2, del 16. 36 au 38. 36 38. Le petit enfant Jésus est amené dans le temple. Et Marie, la prophétesse. Y hein, la Ceux qui disent que les femmes n'ont pas de ministère. Marie avait un ministère. Euh, pardon. Anne avait un ministère de prophète. A un de prophète. Amen. Elle, dès qu'elle voit Jésus, l'enfant Jésus dans le temple. Que en el temple elle assiste à, à la prophétie de Simeon. Elle participe à la prophétie de Simeon. Et elle sort du temple. Elle va dans les rues de Jérusalem. Elle les de et elle parle de Jésus à tous ceux qu'elle croise. Et elle parle de Jésus se Jean chapitre 4. Nous avons vu la femme samaritaine. Vimos la mujer samaritaine qui arrive au puits de Sichar. Jésus, Jésus lui parle. Et tout à coup, l'eau vive rentre dans son cœur. Et qu'est-ce qu'elle fait? ¿Y elle va porter cette eau vive dans son village. Elle esa agua viva a su aldea. Et elle parle de Jésus. Et tous les gens du village viennent aux pieds de Jésus. pieds de Jesús. Ceux qui disent que la femme n'a pas droit de prêcher. No S'ils pouvaient avoir les mêmes résultats que la femme samaritaine. Si que la ce serait formidable. Sería, eh, et à la résurrection, et la résurrection. Nous avons vu que les anges parlent aux femmes. Vemos que et elles mujeres. disent, allez vers les disciples et racontez-leur que Jésus a ressuscité. Les anges disent cela. les anges disent, à los disciples et que Jésus a ressuscité. En Luc 11 24 Lucas dit qu'ils prirent ces discours pour des rêveries. Que, eh, discoursos, discoursos como, 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 como cuentos, et nous dit que pas tu Regardez bien ce que Jésus va dire à ces hommes. Marc 16-14. 16-14. Si vous tenez le coup, frère Jésus. Si je más, vous félicite. Si lo un poco más, lo felicito. Amen. Marc 16-14. Mon âme te bénit. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha. leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'il n'avaitient pas cru ce qu'il avait vu resuciter finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado quand il le di a paru 11 o 11 femmes cuando está diciendo que se le apareció a los 11 qué? 11 mujeres no Ou onze disciples ou no, onze, onze apôtres. À los onze onze ils n'ont pas cru. Ils n'avaient pas cru. Ce que leur prêchaient les femmes. Ce que les ou les prédicavaient les femmes. Et Jésus mujeres. leur reproche leur incrédulité et leur dureté. Et, et, du et Jésus leur reproche leur incrédulité et dureté de cœur. Amen. Oh frères et sœurs, il y a tant d'incrédulité et de dureté de cœur dans beaucoup d'hommes et de femmes et muchos y qui refusent d'admettre que, de de que parfois Dieu utilise des femmes pour prêcher. Que a veces Dios a la mujer para predicar. Amen. Et pour terminer, frères para et sœurs, rapidement. La femme ne connaît rien aux choses de Dieu. La mujer no nada de las cosas de Dios. Amen. C'est pourquoi elle n'a pas le droit d'enseigner. No Lorsque Jésus se trouvait dans la maison de Simon, Jesús en la casa de Simon Jésus dit à Simon Tu ne m'as pas honoré. Elle dit, Simon no me Mais elle, elle l'a fait. Amen. Regardons le passage en Jean 12 où Jésus se trouve à Bethanie. Voyons Juan 12 quand Jésus est en Bethanie. Chez Marthe, Marie et Lazare. La Jésus est là en train de partager la parole de Dieu. Ahí, eh, compartiendo la palabra de Dieu. Ne no le prenez pas, frère. Ah, Tout d'un coup, Marie se lève. Entonces, un moment, Marie se levanta. Elle va dans sa chambre. Va à su cuarto. Elle prend un vase y toma un vaso rempli de, parfum lleno de perfume. Et elle oint les pieds de Jésus. Que font les disciples, que disciples? Ils la critiquent. On aurait pu garder ce parfum. Oh, bien, podido guardar ese perfume pour avoir de l'argent. Y donner aux pauvres. Et qu'est-ce que Jésus répond que dice Jesús? Laissez la faire. Que lo haga. Elle est en train de préparer mon corps pour ma sépulture. Non, mais les femmes ne connaissent rien aux choses de Dieu. No, pero no nada de las cosas de Dios. Les disciples ne savaient rien. Les disciples ne no savaient rien. Ils n'avaient rien compris. No Mais cette femme avait été dirigée par l'Esprit de Dieu sido por el de pour faire, Dieu faire para cela. Et vous savez que à Bethanie, c'est arrivé deux fois. Et oui. que en Bethany, Car il y a l'autre passage où Jésus se trouve dans la maison de Simon, le quand, lépreux. Quand Jesus está, Jesus está la Simon. Et Jésus dit Cette femme, elle a fait cela. Et, Et dans le et en le monde entier, en on parlera d'elle. De non, mais les femmes, ça connaît rien des choses. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, s'asseoir aux pieds de Jésus. C'était dire, je veux être ton disciple. Era de, que decir, yo ser tu disciple. Maintenant, je vous amène à la croix. Ahora lo llevo a la cruz. Où sont les disciples, ¿Dónde están los disciples? Ils sont partis. Ils sont Sauf Jean. Sauf Jean. Et où sont les femmes están las Au pied de la croix. Al pied de la cruz. Amen. Oh, les femmes, ça connaît rien des choses de Dieu. Oh, les femmes ne no savent rien des choses de, de Dieu. Pour terminer, Luc 24, verset 25. Lucas 24, verset 25. Al 24, 25. Alors Jésus leur dit Ô oh, femmes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donde el, 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 el Señor Jesús les dice, oh mujeres este, eh, sin inteligencia y que el corazón, el corazón tarda para creer lo que ha pasado. ¿Es eso? Dice eso. Ah, y hay, una que no no, hay unos que todavía no se duermen. Lucas 24, 25. Lucas 24, ¿Qué es que 25? Jesús dice? ¿Qué dice Jesús? Oh, hombre. hombres. Insensatos. <laughs> hombres sin inteligencia. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Tardos de corazón para creer que los Ces femmes, elles n'ont pas d'intelligence. No elles ne savent pas ce que c'est la foi. No saben lo que es la fe. Mais là, Jésus est en train de reprendre des hommes. Pero ahí Jesús está rep 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 a unos Alors, pour que vous ne m'en veuillez pas, mes Pero, pero, que, no me, no me, ah, que vous ne m'en veuillez pas, que no mes me, no me, no me, no conmigo, Amen. Je vous donne un dernier verset. Le de, Mes frères, c'était le jour de la femme. Je veux que les femmes sachent qu'elles que 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 sont précieuses. Que son pour Jésus. Pour Jesus. Et je veux que les hommes sachent yo quiero que, les hommes sepan que les femmes sont précieuses pour Jésus. Mais je veux que les hommes sachent aussi qu'eux que que aussi sont précieux pour Jésus. Pour Pourquoi? Pourquoi Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre, chapitre 3 verset 27 au 28. Del 27 al 28 vous tous c'est-à-dire, vous, les hommes et les femmes, decir, ustedes, hombres y mujeres, vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Que sido bautizados en Cristo. Vous avez revêtu Christ. De Christ Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y no no a plus ni esclave ni libre. Écoutez no bien la suite. Il n'y a plus. Ni hombre ni mujer. Ni hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Yo lloro delante de Dios. Cuando veo a cristianos, des pastores, pastores des predicadores, predicadores, que me desprecian de las mujeres. Il n'y a plus ni homme ni femme. No hombre, ni Dieu ne cherche ni un homme ni une femme. Dios no ni un hombre ni una mujer. Il cherche un cœur. un corazón. Un cœur qui l'aime. Un corazón que le ame. Amen. Alléluia. Je suis sûr, frères et sœurs, que si tous les hommes et les femmes, parce qu'il y a des femmes qui méprisent les femmes, vous savez, si tous les hommes et les femmes, parce y mujeres, hay que a des femmes qui les les femmes qui sont misogynes, que son mis, 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 mis si so tous les frères et les sœurs de l'Église, de l'Église universelle, pouvaient. Comprendre ce verset comprendre 28, Je suis sûr que l'œuvre de Dieu avancerait beaucoup plus vite. Que, que Dieu nous aide. Que Et que Dieu bénisse toutes les sœurs en Christ. Et que Dieu bénisse tous les frères en Christ. L'église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu. Vous avez besoin d'une prière ou si vous avez une question à nous poser, laissez-nous votre message sur Skype Radio Samuel ou par mail mail.fr mm ou mmm.grenoble@hotmai.l.com ou sur notre page Facebook Radio Samuel. Que Dieu vous bénisse Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.